Grâce à un territoire en mosaïque, la Brèche jurassienne accueille un grand nombre d'espèces animales et végétales. La présence du site Natura 2000 témoigne de cette importante biodiversité. Cette troisième escapade vous emmène dans les prairies du Val de Brenne pour découvrir la Fritillaire pintade. Cette plante printanière fait partie de la famille des tulipes et des jacinthes. Après avoir passé l'hiver sous terre à l'état de bulbe, il est possible d'observer ses fleurs roses à partir de mi-mars et pour un mois environ. Son nom latin vient d'une part de fritillus, qui signifie « cornet pour jeter les dés », en référence à la forme de sa fleur, et d'autre part de « mélea gris », qui désigne une pintade dont le plumage est également tacheté. Les prairies inondables constituent son milieu de prédilection, mais on peut également la rencontrer au sein de forêts alluviales. Répartie surtout dans l'ouest du pays, elle est assez rare au niveau régional. Plusieurs stations sont connues en Bresse, et notamment quelques prairies sur le site Natura 2000. Drainage, plantation de peupliers, fertilisation massive et mise en culture des prairies sont autant d'atteintes aux fritillaires qui souvent ne subsistent qu'en limite de parcelles ou aux abords des chemins. La cueillette peut également être un facteur de disparition. Il convient ainsi de maintenir des pratiques agricoles extensives favorables à la gestion de la biodiversité des prairies pour continuer à observer cette espèce protégée et quasi menacée à l'échelle régionale.